Ouais, si tu tournes dans Mad Max, c'est cool. T'aimes bien ou pas? Combien? 50, je les perds un peu. Bah, ferme-les déjà. Ça se voit, non? Ouais. Alors? Je sais pas quoi penser. Wow, sa tête! C'est un Shetland. Il te mange, le type. Wow, mais c'est sérieux? Si tu veux me grailler, il dit vas-y. Il me débat même pas. En quoi, ouais? Bonne question. Sandwich baguette, poulet frit, t'as vu? Ah ouais. Je pourrais prendre ça. Ah, oh, je pourrais manger ça. Je prends ça? Ça fait quoi? C'est une crème brûlée. Ça a l'air trop bon. J'arrête de parler. J'arrête de le dire. Oh. Tu veux mettre ça? Ouh, c'est fort à mettre ça. Ah ouais? C'est grave, t'en veux? Oh, y a plus de respect pour ça. Mais je savais pas comment on prenait. Time Pilomis, trop bien. Bon, après, toi, ça va pas lui plaire, genre plus que ça, la bougie, je pense que ça va vraiment lui plaire. Après, on va au Printemps du Louvre ou pas? Ouais, ce soir. On trouve rien comme d'hab. Est-ce qu'un jour on va réussir à faire les magasins normalement? Et toi, pour tes parents, on en prend pas? Tu veux acheter quoi? Non, c'est la guerre. C'est la guerre? Ta mère, tu veux acheter des cosmétiques? Tu veux que je te conseille? Non, c'est la guerre. Ça lui ferait pas plaisir, des petits trucs rituels à ta mère? C'est nul. Nous allons à la maison, enfin à la maison, Printemps à la maison, pour voir s'il y a des petits trucs sympathiques. Maison. Bah alors là c'est le début d'une guerre. Là, c'est le début d'une guerre, parce que je sais pas du tout. Là, je suis en train de me rendre compte que je suis dans la merde. Parce que quand je te dis que j'ai pas d'idée... Let's go. On va acheter des... Tu veux acheter quoi? Des mangas? Ouais, des mangas. Ouais, des mangas. Des mangas à ton frère? Je sais pas ce que je vais lui acheter à ma sœur, c'est ça le problème. Bah faut qu'on voit, mais moi non plus, ma mère, j'ai aucune idée. Mon père, je sais, ma mère... Ouais, ma mère... T'es mal tien. Ma mère et ta sœur... T'es mal tien. J'ai vu... Il est mieux habillé que moi. Si je vlog, je vais tout faire tomber. Allons-y. Allons-y, les amis. On va plus vite que les voitures. La librairie japonaise. Vous voyez pourquoi j'hésitais à faire des vlogmas? C'est parce que j'ai l'impression que ma vie c'est une boucle. On fait toujours les mêmes choses, tout le temps. Quand on vient à Paris, on va à l'opéra. On achète des trucs à manger, on va à l'hôpital japonais. Merci. Science-fiction, tu penses que ça va les faire? Non. Non? Bon, non. Assez spécial. Ok, c'est ça, mais le 1. C'est 1, 2, 3. Mais non. Ça, c'est cool. Non, mais... bah, c'est le bride d'en acheter. D'acheter les deux comme ça? Ouais. Non, achète un, c'est bien. Ouais, après, tu peux tout me prendre, mais si ça lui plaît pas, c'est con. Cool. Ça peut ne pas lui plaire, mais c'est incroyable. Je vois pas comment ça peut ne pas lui plaire. Et voilà, il a trouvé. T'as trouvé deux cadeaux pour ton frère et pour ta grand-mère. Est-ce qu'on finit par le... Est-ce que après le printemps on a encore des trucs à faire? Bah si on trouve pas le cadeau de ma mère, oui. Et de ta mère aussi. Bah dans ces cas-là, vaut mieux aller au printemps alors. Ouais bah ouais. Putain, c'est chaud, mais qu'est-ce que je vais offrir à ma mère? Là j'ai pas d'idée. Hein. Bon du coup je ne sais pas. Mon père c'est bon, si on va printemps du Louvre, rituel ils auront j'espère, la bougie que je vais lui offrir. En fait mon père, j'ai déjà pris un parfum Tom Ford et j'aimerais bien lui prendre une petite bougie en plus. Mon père aime beaucoup les odeurs. Et ma mère c'est dur parce que... Tu pourrais aller chez Moshi en vrai. C'est quoi? C'est que des bagues japonaises, genre de la vaisselle, des japonaises. Ah ouais. Ta mère, je sais pas si ça peut être une idée. Ouais ouais, de ouf. Docteur Jart. C'est très bon masque. C'est ça que je voulais pour mes bijoux. Ça. Et tu mets tous tes bijoux dedans. Maintenant, j'ai plus aucune chaîne à bloquer dans la rue. Tout à l'heure, on était devant la librairie et je bloguais, genre je parlais à la caméra, j'étais toute seule, j'étais à l'intérieur. Il y avait des gens autour, il y avait un mec qui me regardait et tout, je parlais comme ça. Oh là là, Ah bah voilà, confiserie veggie, je vais acheter ça à ma mère. C'est nature et découverte, t'as-tu cru? Mais bien sûr, mais ça c'est... Mais... Il y a marqué Christelle sur...
la taille, elle, en fait, elle est parfaite, cette taille. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. Vraiment indémodable, pur, très résistant. On bosse pas sans crocodile, en plus que glacé. Alors là, c'est vraiment le cure le plus résistant. D'accord. Mauvaise nouvelle, il y avait pas Rituals, il y avait absolument rien. Bon, il y avait mon sac, mais je l'ai essayé 500 fois, si j'arrête. Mais du coup, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'on va acheter, c'est la merdasse. Sauf que c'est aujourd'hui pour moi, c'est le dernier délai. Ah ouais? Bah ouais, on prend une trottinette et on va chez Maid parce que Jérémy a encore. Vous savez pas ce qu'on vit parce que j'ai pas vlogué vendredi dernier. Mais on a testé plein de canapés parce qu'il voulait changer de canapé. J'ai trop peur de pas trouver d'idée de cadeau. En fait, j'ai surtout pas envie de rentrer tard. On rentre, mais j'ai pas de cadeau, espèce de malade mentale. On se téléporte chez Maid. Il a l'air incroyablement confortable. Non, non, mais tu vas pas acheter un canapé pour acheter des coussins et tout. Autant acheter celui qui te plaît. Ça passe, mais c'est pas la folie. Jérémy, est-ce que t'as envie d'un canapé qui passe mais qui est pas la folie? Non, mais j'ai 3500. Non, mais je suis d'accord, mais autant attendre. Même ça, ça a l'air pas confortable. Mmh. Bah on va où? On va au BHV. BHV Marie. BHV Marie, dernière tentative. Après ça, c'est la merde. Bon là, si je trouve pas, je suis conne. Ça va durer des heures. Je sais déjà que tu vas pas trouver. Oh. Jérémy, il reste le Shiba. Bien fait. Ouais. Je sais pas si peut-être là-dedans. Ma mère qui aime le bois. Peut-être que je peux trouver une bougie ici. Donc du coup, je vais lui prendre une petite bougie. Hein, je pense que ça va lui faire. Avant, il prenait des trucs de cette marque. Aujourd'hui, j'ai pas le jour. Est-ce que vous avez des recherches? Ça peut être que dans la charge de ça. Il marche pas? C'est ça. Tu le veux aussi? C'est un sérum à 5,90€. Non, c'est moi, j'ai le... Et il est super bien, ce qui paraît. J'ai le Clarence. On a fait nos achats. Du coup, on est rentré tout à l'heure et je vais vous faire un petit haul. Alors, on a tellement galéré, je pense que vous avez vu. C'était horrible, on savait pas. Jérémy, il a pas acheté de cadeau pour tout le monde du tout. Moi, ça va, au final, j'ai trouvé. Mais c'était trop trop galère. En tout cas, je suis trop contente parce que j'ai mis mon sac de côté, c'est bon. Je voulais l'acheter juste avant Noël parce que j'aimerais bien l'ouvrir le jour de Noël. Enfin, le jour de Noël avec Jérémy parce qu'avec Jérémy, on le fête le 23 et après avec ma mère le 24 et le 25. Du coup, moi, je voulais vraiment l'ouvrir genre ce jour-là. Donc, je l'achète le 22. Et là, je l'ai mis de côté. Je suis trop contente. On va commencer par. J'ai acheté du coton. Jérémy il a acheté, bah, du coup c'est tout emballé, mais il a acheté deux petits trucs. Il a acheté deux livres. Je pensais qu'on allait vous montrer plus de trucs, mais bon, c'est pas grave, je vais acheter des trucs pour moi. Et j'ai trop hâte, vendredi je vais tout emballer. J'espère que j'aurai tout ce jour-là. Mais du coup, on a racheté des masques aussi chez Uniqlo. Vous me demandez tout le temps quel masque j'ai à chaque fois, les masques noirs que je mets sur mes vidéos. Et c'est toujours Uniqlo. Ils sont trop trop bien. Moi je mets du M, Jérémy du L. Et enfin vraiment, ils sont trop bien. J'ai acheté un col roulé. Alors c'est exactement, vous savez, le col roulé que je mets tous les jours. Bah c'est exactement le même, mais en beige d'ailleurs, il est tout froissé. Enfin, je les trouve trop trop bien. Il y a des petits détails doré sur les poignets et ils sont trop bien, ils coûtent que 20€. Et celui-là, vraiment, vous avez pas idée le nombre de fois où je l'ai mis. Toute l'année dernière, là je le mets, mais je le mets un jour sur deux, je pense. En fait, je sais pas, j'ai un problème avec les cols roulés, j'aime trop ça. Eux, ils me vont vraiment parfaitement bien, ils sont super confortables, ils sont pas chers et ils tiennent bien dans le temps. Que je les ai lavés, même passés chez sèche-linge et tout. Et chez Uniqlo, j'ai pris aussi ça, c'est blanc cassé, c'est un petit haut côtelé et je sais pas.
Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je sais pas, ça me donnait envie. Je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, et ensuite les cadeaux. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour mes parents au BHV du Marais. Ils étaient horribles, les vendeurs, enfin les vendeuses. Horribles, en fait elle m'a, je pense que j'ai filmé, mais elle m'a pris genre mes trucs, elle me les a emballés comme du n'importe quoi. Elle a arraché les étiquettes et tout, genre vraiment comme du n'importe quoi. Donc ça m'a trop saoulée, elle voulait fermer et tout. Et je me suis dit non, c'est trop mal emballé, genre. Du coup je lui ai dit non, est-ce que vous pouvez laisser ouvert la pochette, parce que je vais sûrement tout refaire. Bref, ça m'a trop saoulée. Du coup je sais pas si je déballe. Ça c'est pour ma mère. Si jamais vous voulez acheter un cadeau, une bougie un peu particulière, peut-être que ça peut vous aider, donc je préfère vous montrer. En gros c'est une bougie, donc il faut acheter un socle. Alors là il y en avait pas des biens. Ça en dirait un gros savon, c'est un gros bloc et c'est super joli. On voit rien, il n'y a pas de lumière. C'est un gros bloc, on sait pas trop si c'est du bois ou du savon, et ça sent super bon. Ça sent exactement la même odeur que quand vous rentrez chez Nature et Découverte. Ça sent exactement la même chose. Et du coup, vous avez une petite. Mais elle a tout arraché. Bye, bougie la française. Ah bah c'est bougie la française, cirier parfumeur. Et c'est trop beau. Je savais pas trop s'il fallait que je prenne ça pour mon père. Vous allez voir, pour mon père j'ai pris autre chose. Mais mon père, je suis sûre que ça va lui plaire. Je sais qu'il aime bien cette marque et ça va lui faire rire. Parce que je sais que ça fait longtemps qu'il a pas acheté ça. Et pour ça, ça va lui faire rire. Donc voilà, ça je trouvais ça vraiment bien. Donc voilà, moi j'ai trop aimé. Enfin je sais pas, je trouvais ça trop original. Il y en avait pas beaucoup et tout. Du coup je me suis dit allons-y. Et pour mon père, je lui ai pris du coup. Mais ça c'est emballé et pour le coup je pense que je vais pas le déballer parce que ça va être une guerre. Mais j'ai pris une bougie Durance et c'était au safran, fleur de safran. Je pense qu'il aime bien ça. Je sais pas, ça m'a parlé quand j'ai vu le nom et ça sentait bon. Et je lui ai pris avec un petit vous savez, des sachets qu'on peut mettre dans le dressing ou dans les tiroirs de vêtements, à la senteur linge propre qui sent. Donc c'est toujours de chez Durance, ça coûte 5,95€, donc c'est vraiment pas cher. Et vous mettez ça et votre linge sent toujours très très bon. Ça c'est trop trop bien. Et pour moi, encore, je me suis acheté un petit sérum The Ordinary. Il est trop mignon. J'en ai entendu parler dans les vidéos d'un youtubeur américain que j'aime bien. Et du coup je me suis dit que j'allais en acheter parce que ça coûte, je crois que ça coûte genre 5€ et quelques pour un sérum. C'est rien, vous le savez. Donc voilà, j'ai acheté ça et puis je vous en dirai des nouvelles. C'est très bon pour l'acné, il y a du zinc. Donc voilà pour mon petit haul de Noël. Ce n'est pas fini, il n'y a pas encore les cadeaux du RMI, mais très très bientôt, je vous promets. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Donc voilà, on se retrouve demain à 20h pour le vlog numéro 11.